aventures sont de retour, dans un troisième livre exceptionnel. J'ai nommé La Lance de Valka. Bon, je t'en supplie, vous ne pas prêt. Ouais. Bah bouffe ça, Billy. Le pyro barbare enjoué. Ma carte bleue. C'est pas fini. La statuette du pyro barbare. Une statuette exclusive en série limitée d'une hauteur de 30 cm. Comme Baby Roi. Les aventures du pyro barbare et de Billy dans La Lance de Valka. Disponible en précommande maintenant. Gros bisous à tous et bon épisode. Ouah ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et fort de ma victoire contre l'un qui était assez... Mais commence l'épisode comme ça. Nous sommes dans Fable d'Homme, dans un Let's Sleep. Je ne sais pas si cet épisode sera un épisode individuel ou il sera rajouté au reste de l'épisode final dans lequel nous allons... Now, where were we? Ta gueule. Où nous allons épouser la princesse Farah, alors que j'ai encore joué quelques heures et vous bénéficiez d'une ellipse. La dernière fois, je vous avais laissé sur le fait que le château était en construction et que nous étions en train de préparer le banquet nuptial. Ou le banquet pré-nuptial. Soyez pas agressif. Fable d'Homme, c'est un peu Crusader Kings 2 sans les meurtres? Absolument. Absolument, absolument. Pas trop Terracid devrait gagner. Absolument, il a tout gagné. Tout le monde a tout gagné, de toute façon. Bientôt du Blade and Sorcery, brave gens, n'hésitez pas. Cliquez dans le lien, bien évidemment. La Lance de Valkar, troisième tome de vos aventures. Dans un monde médiéval, arthurien et incroyable, dans lequel vous avez le choix vous-même de vivre votre propre aventure et de faire vos propres erreurs, comme dans la vraie vie. C'est devenu très réel, là, tout de suite. Allons-y. C'est quand tu veux le jeu. D'habitude, il chargeait plus vite, mais je pense que là, il en chie pour charger mon royaume. Ouh ! Et nous voici dans le royaume du Chouettistan. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Bienvenue au Chouettistan, braves gens. Le Chouettistan se divise en trois régions principales, quatre si je veux être exact. La première région qui est la région du village. Comme vous pouvez voir, chaque maison a été placée individuellement. Chaque décoration est là pour augmenter la qualité de vie de mes paysans et de ma force paysanne. Et un satyre aussi. Voilà, parce qu'il joue de la flûte. Et... Ah, très bien. Voilà, roturiers, exactement. Il y a trois types de population. Il y a les paysans, les roturiers et les nobles. Les paysans sont ceux qui vivent à la campagne, qui s'occupent des poules, des champs, des fermes et de tout le reste. Regardez-moi ce poulet. C'est quoi ce poulet? Voilà, très bien. Ça, c'est le droit de cuissage, ma grande. Alors, attends. Là, nous avons des cochons ailés. C'est halal. Je rappelle. Voilà, ça travaille dur. Et enfin, la zone industrielle où ça produit des planches, du charbon, des pierres et tout le reste. Les zones industrielles sont un peu éloignées des habitations parce qu'elles génèrent du bruit. Regardez cette petite place du village. Il y fait bon vivre quand même. Hein. Il y fait bon vivre, il y fait bon vivre. Hein. On s'installe bien, tu vois. On est posé, il fait beau, le jeu est reposant. Et là, nous pénétrons dans la cité, brave Jean. Oui, je peux pas descendre plus bas, hein, donc... La cité... La cité du Chouettistan. Avec un petit café. Dans la cité, en fait, se trouvent des bâtiments et des immeubles qui sont différents des petites fermes, tu vois. C'est des maisons citadines dans lesquelles vivent pas les paysans, mais vivent les roturiers et les roturières. Donc les citadins normaux, si tu veux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien installé la zone avec une banque, une ambassade, un centre commercial, une salle de concert gigantesque, un marché, des jardins qualitatifs de ouf, une arche de triomphe, bien sûr, un chapiteau. Voilà, c'est garanti. C'est garanti, c'est garanti. En haut, un passage avec deux statues gigantesques et une porte fortifiée qui... Bah alors ? Porte fortifiée, mais excusez-moi, la zone est occupée, mais un, deux, trois, quatre, à chaque seconde qui passe, cinq, six, un paysan sera exécuté, sept, huit, neuf. Ça fait déjà 10 morts. Hein. 11, 12, 13, ils sont où ? 14, 15,
16, 17, 1. Allez, on va arrondir à 15. 15 personnes. Merci, fort aimable. Donc, je disais, l'arche en pierre qui mène à la zone nord, qui n'a pas beaucoup changé, qui s'est juste un petit peu agrandie, ce sont des maisons paysannes, mais, comme vous pouvez le voir, il y fait bon vivre. C'est le grand luxe. Si j'avais les moyens de leur mettre des piscines, je l'aurais fait. Regarde ça. On s'installe bien. Juste au-dessus, il y a une zone de production gigantesque avec une zone qui produit du charbon à l'infini. Allez-y, allez-y, venez si vous voulez. Un homme dans le besoin, qu'est-ce que tu veux? Dépenser 20 noblesse pour qu'il rejoigne. Ouais, ouais, y a pas de problème. Magie du fer, ouais, ouais, 30% de fer en plus, pas de souci. Ok, très bien. Et donc, une zone de production du charbon, ce qui nous met en excédent de charbon généreux, alors que le bois, lui, est plus complexe à obtenir. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, à ce propos, je pense que je peux rajouter avantageusement, si vous voulez mon opinion, une entreprise de boiserie. Voilà. Prioriser la construction de tout ceci, ça aussi. Et mettre un petit bout de route. Voilà, très bien. Impeccable. Et je viens de créer notamment attaché au château que vous n'avez pas encore vu, brave Jean. Je me mets en vue aérienne pour que vous profitiez de la ville. Le château, là où se trouvent les nobles. Je vous laisse apprécier. Bah alors. Alors, je vous laisse apprécier. Et là, c'est Disneyland. Bienvenue au château. Avec sa flèche, sa salle des mariages, sa salle des fêtes, son ministère de la nourriture, son petit parc privé, son antichambre, là où les gardes te mettent ou pas, son petit kiosque à musique, son coin plage privé. Le roi, il a du goût en vrai. Hein. Merci, Diane Boris. L'endroit où les nobles habitent, le ministère de la diplomatie, le ministère des ministres. Un petit port privé. Parce que c'est bien, faut aller pêcher le poisson que les nobles mangent le soir même, tu vois. Un parc à contours, juste autour, absolument magnifiquement placé, tandis que ce bâtiment, c'est... Ministère de l'aristocratie. Paye moins à la famille. Oh, c'est pas intéressant. Ministère de la culture. Augmente le bonheur global, non. Ministère de la diplomatie, ça c'est très intéressant. Il faut que les nobles y bossent. Excusez-moi, laissez-moi placer les... Ministère des parcs. Ah, voilà. Pour chaque noble qui y est assigné, donne un bonus de désirabilité de 5 en plus. Et ministre du pinard, comment ça se passe? Non, ils travaillent plus parce qu'ils ont maximisé le nombre de pinards. Ils sont prêts à faire une orgie. Une orgie dans le sang, allons-y. Et du coup, on progresse. Ah, il pleut, mais c'est brave. Et on passe cette petite porte qui mène à un chemin dérobé dans le parc, mon gars. Le parc de sa majesté. Un endroit qui sépare roturiers, paysans et véritables sembles. Oh là là. L'opulence. 5 roturiers viennent nous rejoindre. Oui, bah bien sûr, venez, il n'y a pas de souci. L'opulence est maximale. La réserve est attribuée et attribuable. Voilà. Là, il y a encore des pauvres qui dépassent. Faire attention. Attention, c'est vrai que c'est encore un peu visible. Quoique de là... Non, de là, ça cache bien quand même. Tu sens qu'il y a des gens qui travaillent, mais tu les vois pas trop, donc... t'es plutôt bien. En vrai, t'es plutôt bien dans le jardin fleuri. Ça manque de bancs, cependant. Je suis d'accord avec vous. Laissez-moi quelques instants pour régler ce menu détail. Voilà, bam. Et là, bam. Voilà. Et là, non, je dirais pas là. Je dirais pas là. Quoique, non, pas là, pas à l'entrée. Pas devant le truc, ça fait pas de sens. Là, par contre, c'est bien. Et là aussi, c'est pas mal. Voilà, petit kiosque. Voilà, il faut des bancs, ici. Voilà, des bancs. Les bancs, c'est important. C'est important. Comment veux-tu compter, fleurette? On a aussi, au passage, un petit café. Regardez le champ qui se couvre de neige. Oh là là, comme c'est romantique. C'est romantique, c'est de la romantique. Qu'est-ce qui se passe? Alors que les PGU continuent, eux, de travailler d'arrache-pied. Et regardez, en plus, ils voient le jardin depuis leur fenêtre des chiottes. Ils voient le jardin de la richesse avec la statue géante. Let's go.
Si seulement je pouvais mettre des statues de meufs à poil. Regardez le château en hiver. Oh là 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 là. Ça a sa gueule. Hein. Ça a sa gueule. Hein. J'en suis plutôt fier. Hein. Avant ici, il y avait toutes mes forces militaires, mais j'y ai rajouté un nouveau quartier en hauteur. Je trouve que ça donne un charme supplémentaire à la ville et à la grande roue. Cette musique. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh là là, mais ce jardin, je suis tellement fier, putain, il rend tellement bien. Je peux pas mettre de choses là. La route, la forme du terrain me l'interdit. Oui, ça dit 5 bois, mais c'est pour installer les bancs. C'est pour installer les bancs. Regardez, ils vont faire ça vite. Si j'accélère le temps. Regardez, les petites mains vont pas tarder à arriver avec du bois, je suis persuadé. Persuadé. Je veux y croire. L'événement marchand itinérant. Offrir 92 briques pour 256 charbons. Oui, bah pourquoi pas. C'est vrai que c'est offert, ça. On a encore plus de charbon, frère. C'est bien. Voilà, du charbon. Ça vous amuse. Ils vont pas très vite, j'avoue. Isabelle Gonzalez, roturière. La question, c'est où sont les nobles? Ah, les nobles sont à l'intérieur, elles sortent pas du palais. Hein. Les mecs s'en battent les couilles. Hein. Ils ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre. Mais je suis tellement fier de ce jardin. Voilà, regardez, ils sont en train d'installer les bancs, là. Ils sont en train d'installer les bancs. C'est bon, les injustices sont en train de se régler, regarde ça. Oh là 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 là. Par contre, là, ça veut dire qu'il y a un trou. Là, ils passent, là, en fait. Là, ils passent. Là, les gens passent. S'y passe. Hein. Je sais pas si j'approuve. Hein. On va mettre un petit sapin. petite haie pour bien séparer les pauvres. Me forcez pas à mettre un mur. Hein. Je le ferai. Très bien. Alors qu'à côté, les gens triment à la mine dans le dépôt de fer. Ils chopent les pires maladies. Ils passent par les jardins. Ils ont l'air d'en avoir un à foutre. Hein. Bon, après, c'est pas plus mal. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, finir cette merde? Ah, merci. Il reste un banc, là, encore. Alors, à ce propos, je sais pas si j'en mets pas un deuxième. Oui, je veux des roturiers. Et d'ailleurs, en faisant ça, on arrive à capacité maximale. Je ne peux plus accueillir de gens à la maison. Ah, très bien. Deuxième banc, là. Et deuxième banc, ici, du coup. Voilà, c'est bien. Bien, deuxième banc, c'est pas mal. Avec ça, on a plutôt un style, on sera plutôt bien. Excellent. Bon. Ils passent par là, les mecs. Ah oui, d'accord. Ah, vous coupez quand même. Hein. Tu passes entre deux maisons et... C'est la luge. Hein. Comme vous êtes sûr que vous avez le droit? Ou est-ce qu'il faut que j'en mure, ça? Parce qu'on me rendait fou, en vrai. Je vais les emmurer. Parce que j'aime pas quand ils coupent. Je veux qu'ils prennent la route, moi. Mais ils... regarde ça. Putain. Tibia solide, la grand-mère, quand même. Ça fait beaucoup de pégus dans mon parc, hein. Mais bon. Dans tous les cas, mon royaume arrive à sa fin. Il y a une présence de trolls parce que, brave Jean, j'ai rajouté ce qu'on appelle une mine magique qui est ici. Faut d'ailleurs la déplacer, je pense. On va la mettre là, voilà, c'est très bien. Une mine mystique. Tant que mon niveau de fortification est plus élevé que 100, je gagne 200$ de plus, donc ça augmente mes récompenses. Mais en échange, de temps en temps, il y a des connards de trolls qui débarquent. Oh la vache, ils sont débarqués vers mon phare! Là, j'ai mis un phare, vous voyez? Un petit phare au bord du truc dans la baie, tu vois, pour que tu te repères. Et il y a un mec qui habite là. Tu vois, il y a un connard, c'est le gardien du phare, il travaille là, si tu veux. Mais, malheureusement, faire son travail va être difficile, puisqu'il y a... Connard Mac Croquant qui sont venus s'installer. J'achète ce terrain hein, parce qu'au prix où c'est. D'ailleurs, je vais acheter tous les terrains. Au prix où c'est, il ne reste qu'un terrain là-bas. Poisson et 200, et j'achète. Allez, hop, achievement, expansion, débloquer tous les terrains de votre map. Merci beaucoup. Et là, du coup, il va falloir que. Bah, il va falloir appeler l'armée. Il n'y a pas le choix. Hein. Mustapha Habib Al-Ibrahim. Les noms les plus improbables. Qui
vont venir casser la gueule à ces trolls. Et il faut savoir que chacune des fortifications et des tours qui ont un canon, un mortier ou une baliste en haut de celle-ci vont tirer sur ces monstres et nous aider à les mettre à bas. Tu t'installes là, mémère ? Eh ben, t'as bien raison. Il y fait bon vivre. Écoutez la musique de la salle de mariage. Disneyland, mais avec des canons, absolument. Oh là là, mais regardez ça. Regardez ce jardin qui est absolument magnifique. Oh là 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 là. J'y ai pas passé une heure et je me suis pas mis en retard avec mon live l'inquiéteracide. Je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Enfin, ils construisent ces murs. Et ils passent encore de ce que j'en vois. D'accord, ils s'en ont rien à foutre. Une nouvelle rencontre est apparue dans le royaume. Que se passe-t-il ? Où ça ? Un deuxième camp de trolls ! Sur la route ! Retraite ! Où est passé le reste de mon armée ? Ah, ils arrivent ! Ils disent, vous en faites pas, nous allons épouser la princesse Farah, mais d'abord... Voilà, d'abord, hop, 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 hop. On a recruté des meufs en archer aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Chaque flèche tue. Oui, je dépense 400 balles pour la flèche. Et voilà notre champion, Mustapha Kader Al-Benawi. À lui tout seul, il est level 17, il va leur mettre des mines pas possibles. Nous allons faire une exécution massive de tous ces connards. Voilà, en rang. Voir les mortiers et les canons n'ont pas de limite de distance. Ça m'épuise mes réserves de liquide prismatique, mais voilà. 33 noblesse, 275 liquide prismatique, 132 de fer et 110 de briques. En vrai, j'aurais bien besoin d'un peu de noblesse, mais ça me fait du bien. J'accepte mon cadeau. Niveau de fortification, ça peut varier de 0 à 10. Plus élevé, plus les 30 trolls seront puissants, mais meilleurs sur la récompense obtenue. D'accord. Bah, très bien, il est max. Hein. On a des ressources. On va les poser là. Très bien. Il faut que tout soit parfait pour le mariage avec la princesse. Abdelkader Mahmoud. Abdelkader Mahmoud, le bras droit de notre bien-aimé Boubaker Beowulf Chabibi. Le bras armé du château. Oh là là, regarde ça, il est mûr. Regarde ça, alors que les forces armées submergent littéralement nos adversaires. Perdons quelques soldats dans la bataille, mais ça n'est rien. 451 poissons, il m'offre. C'est intéressant parce que le poisson, c'est une ressource qui est finie. Si elle n'est pas finie, mais elle met du temps à être récupérée. Donc j'aurais pu prendre la noblesse, mais le poisson. Quoi. Victoire totale des forces armées. Je vous invite à revenir là. Enfin, en vrai, non, je vais les renvoyer dans leur camp. Et nous allons commencer les relations diplomatiques avec la princesse. Ouais, attends. Voilà, petit terrain d'entraînement. On lui donne quelques formes irrégulières histoire de faire genre. Voilà, on prend toutes les forces armées et voilà, ramenez-vous là. Ok, au passage, est-ce que je peux ressusciter des gens ? Un archer ressuscita. 66 soldats ressuscités.
Impeccable. Merci. Oh, il y a aussi, regardez. Cet extracteur prismatique avec son jus, on dirait hentai. Regarde. Délicieux. Fantastique. Ok. Très bien. Et même ça, regardez, ce camp militaire, il est sympa, mais on pourrait peut-être le décorer un peu en mode cell games, tu vois. Mais en faisant ça, j'ai rendu ce bûcheron inutile, n'est-ce pas ? On va mettre un arbre là. Pas les grands drapeaux. Il faut les petits drapeaux, voilà, ceux-là. Voilà, les petits drapeaux là à l'avant. Une ou deux fortifs. Faire genre. Non mais un panneau des demandes, quelques caisses de ravitaillement pour faire style, et bien sûr aux quatre coins du terrain, bam et bam, voilà, parce que Chabibi ça déconne pas ici. Voilà, très bien. 5 veulent rester, mais j'ai plus de place, donc barrez-vous. Ok, très bien. Excellent. Toutes mes excuses. Alors, nous disions. Voilà, donc. Et l'armée coupe par là, je vous déteste. Donc tout ceci ne sert à rien, donc je vais le retirer, hein, parce que on s'en fout un peu. Au moins, ça a cubifié un peu le terrain. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, reprenons donc, disais-je, des relations de notre mariage avec Farah. Déjà, la belle Farah, la mécanicienne qui louche. Salut ! On la couvre d'amour ! Oh là là là. 11 jours, récupérant 242 fer, c'est très rentable. 100% de chance de succès. On envoie la mission. On envoie la mission se faire. Là. Récompense 20, récompense 40. Ça, c'est très rentable. 4 épéistes. Là, on envoie. Et enfin, on n'a pas d'autres missions. On en a une autre, là, chez lui. Danger très haut, 40 prismatiques. Voilà, 2 épéistes. Allez, paf, on a envoyé. Excellent. Du coup, on a récupéré les trucs accessoirement. Et voyons voir. Nous pouvons donc faire un banquet, un festin. Oh là là, vous entendez la bouteille ? Absolument impeccable. Et nous pouvons donc faire la festin avec plusieurs personnes. Paramonnaie parce qu'on le déteste. Bonus de festin. Les bâtiments de production produisent des ressources 100% plus rapidement et les fabriques transportent 50% de choses en plus. Jour restant 50, c'est très fort. Au lieu de payer l'entretien de l'armée, c'est l'armée qui te donne de l'argent. Vos fabriques ne ressentent pas la faim pendant 2 mois, c'est très fort. Vous doublez vos revenus actuels, c'est pas mal ça aussi. Jour restant 50, Giovanni, on se le fera. Et enfin, je ne sais pas ce que fait le Serpain, parce que c'est mon ennemi. Mais Farah, c'est l'heure. Laissez-moi sauvegarder. Farah Alhamdoulilah. Prince Boubacar Beowulf Chabibi, merci d'avoir organisé ce festin. Comme vous le savez, j'aime bien relever les défis, mais comme nous sommes en période de fête, je ne vous défierai jamais sans une petite récompense supplémentaire. Je comprendrai que vous souhaitiez vous détendre et vous amuser à la place. J'ai un don pour ça aussi. Pas un mot de plus, je vais le faire. Le défi de Farah, construire 30 structures. Recevoir des planches et des briques ou du blé. Et merci Farah, juste prendre le pognon. Elle me met au défi. En 90 jours. Cette chienne sans nom me met au défi. Je vais prendre les ressources, on sait jamais. Let's go. Pas un mot de plus. I'll do it! Pour ça, il va nous falloir une construction exceptionnelle. Ah oui, les planches. Est-ce que je peux les foutre? Putain, j'ai plus la place. Je vais les mettre là, tiens. Je sais pas où elle est, je sais pas où je l'ai mise, mais je l'ai mise. I'm okay with this. Ok. Exceptionnellement, nous allons donc construire des bâtiments rien que pour ça. Elle est où la guilde?
la guilde des ouvriers. Une guilde, deux guildes. Pavage, bâtiment prioritaire. En faisant ça, je vais doubler déjà ma capacité et ma vitesse de production. J'espère juste qu'il n'y a rien d'autre qui est en construction. Apparemment, rien d'autre est en construction. Donc, ils vont prioriser ça. Super. Ils ont fait vite. Déjà, 3 jours qui se sont écoulés. 3 jours. Nous avons maintenant une quantité de travailleurs qui a doublé. Alors, quelle zone va-t-on aménager ? Je me sens excentrique. Je me sens excentrique. Et pourquoi pas ? Oh, oui, pourquoi pas ? Autour d'un jardin d'amour. Non, c'est pas une bonne idée. Un jardin labyrinthe. Non, c'est dégueulasse. De ce jardin comme ça, c'est joli, mais c'est complexe. De ce jardin qui servirait de centre. C'est sympathique, mais je trouve pas ça top. Alors que ça, par contre. La statue qui sert de centre. Non, il faut être intelligent. On fera la décoration après. Pour l'instant, pas d'hôpital, les ouvriers non. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on veut ? Un centre commercial. Bam ! Un centre commercial. La zone est occupée. Merde, il y a une réserve de fer là. C'était peut-être pas la bonne initiative que de m'installer là. Ah, c'était peut-être pas... Attends. Ouais, let's go. Super, je peux payer pour détruire. J'ai rien dit. Ok, donc là... 1, 2, 3. Alors, on se donne 3 de marge. Voilà. Donc ça, l'antiphithéâtre, ça va. On peut mettre qu'un chapiteau. Je peux mettre qu'une banque et une ambassade et une guilde des messagers, donc j'ai pas le choix de mettre autre chose. Spectacle de marionnettes roulottes. Et là, sud. Sans d'affecter le plus de bâtiments. En vrai, il faut que je vire l'auberge. Et que je mette une grande roue à la place. Pas mal. Pareil pour ce spectacle de marionnettes. Et ce théâtre de rue, il faut que je les crée après. Maintenant. Grande place centrale. C'est quoi ça ? C'est la salle de concert. Petit truc à représentation juste à côté.
Attends, ça prend 4 cases. Excusez-moi, je fais de l'urbanisme. Je fais de l'urbanisme rapide. De fermer ce dialogue-là, tu vois. Bam. Comme ça, tu vois. Et ça fait un, espèce de passage naturel, comme qui dirait. Ça fait un espèce de passage naturel, ça fait un espèce de passage naturel. Est-ce qu'après, on veut forcément tout bourrer ? Oui, on veut parce que... Wait. Oui, on veut parce qu'on veut fermer la ville aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà. On veut fermer la ville et surtout, on veut pouvoir placer des fontaines. C'est pour ça que je veux retirer notamment cette dalle-là, qui est là. Une ou plusieurs entrées sont inaccessibles. Pourquoi ? Quel est le problème, monsieur le juge ? Voilà, qui est jusqu'à la ferme en arrière. Et même... Voilà, ça fait une petite route pavée qui rend pas dégueulasse. Ok, ensuite. Voilà, renvoyer les visiteurs, on s'en bat les couilles. Et avec ça, j'ai envie de dire, on a déjà un beau chantier. Qu'est-ce qu'on en pense ? On a déjà un beau chantier, voilà! Pouf pouf! Mes excuses, ça a été un processus, mais maintenant nous y sommes! Plus qu'à accélérer le temps et espérer que ces connards travaillent en temps et en œuvre pour qu'on puisse enfin se saucer cette belle Phara! Parce qu'il n'y a pas y a un respect, tu vois! Mais c'est quand même un processus, enfin la meuf elle demande, tu vois! Putain, quand t'es prince, ça devrait pas être si dur de se faire sucer, je vous jure! Je sais que je dis de manière un peu crue, mais comprenons-nous. Voilà, au moins ils ont fait le marché vite. Ça, ça me fait plaisir. Au moins ils ont construit, ils ont commencé à bâtir des trucs. Voilà, ça, ça me fait plaisir. Attendez, j'ai fait une erreur. Oui, je les ai pas peuplés. Quelle erreur. Et quelle erreur, je suis en manque de bois brut. Aïe, aïe, aïe. Il nous faut du bois. T'as 145 de bois, je prends tout. Je sais que toi, t'aimes les armes. Ne déconne pas, t'en es 40. Hop là, nickel. Toi, t'as du bois ? 87, je prends tout. Je sais que toi, t'aimes les légumes, mais prends des armes quand même. Ouais, c'est bon, elle est pas très exigeante. Toi, t'as du bois ? Ouais, 164, c'est pas mal. 164. Je sais que t'aimes les armes. Tout le monde aime les armes, ça se passe très bien. Myrlenas, je sais qu'on s'aime pas. Chère princesse, c'est pas que j'en chie un petit peu avec votre challenge, mais j'en chie un petit peu. Vous aimez les armes ? Elle adore. C'est son kiff. Mon cher Sir Payne. Déjà, voilà, 30 charbons pour mon amitié. Ensuite, vous avez 200 de bois, ça m'arrange, hein. Ça m'arrangerait. Vous aimez les armes ? Beaucoup, mais il en veut plein. Voilà, très bien. Ça va ruiner en termes d'armes, mais au moins on est bien. Voilà, au moins on a une quantité de bois qui est en train de revenir. Certes, elle se fait allouer. Allouer, petite allouer. Allouer, je me fais plumer. Je me fais plumer la tête. Je me fais plumer la tête. Il faut que je limite ce qui s'approduit. Je veux que vous arrêtiez à 600. Je veux que vous arrêtiez à 500. Et qu'est-ce qui prend du bois ? C'est tout. C'est tout. En faisant ça, déjà, ça devrait limiter pas mal la casse. Déjà, ils ont pris du bois pour eux, mais ils vont s'arrêter là. Trop loin, il faut que, qu'ils puissent bosser. Ok, 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 ok. Allez, ça marche pas. Ça marche pas ce que j'ai fait. Ça ne marche pas. Ça par contre ça marche. Voilà. Great. Thank you.
fait 4 et qui est un peu classe. Il est où l'autre spectacle de marionnettes? Il est là. Il n'a pas porté, lui. On va en mettre un autre. Hein. Ou mettre un autre café. Où sont les autres cafés? Je sais plus où j'ai mis les cafés, putain. Rien n'est moins sûr, tout est un doute. Une watch, j'assume. Non, c'est quoi? Je vais pas mettre un café. Je vais mettre un bel arbre. Un bel arbre à pique-nique. Avec deux tables. Et une petite plante en pot. Voilà. Voilà, que j'entoure par la Toscane. Je fais des choix, disons, assez audacieux, mais j'essaie d'en faire quelque chose. Hein. Bon, allez, j'assume. J'assume tout. Petit jardin de plaisance. Voilà. Petit pont simple. Ok, nickel. Petit pont simple. Et au milieu de tout ceci, j'ai oublié de mettre un beffroi ou une tour de l'horloge ou quelque chose du genre. Mais honnêtement, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Rien de plus de cochonnets. Ouais, j'accepte des cochonnets. Ce qui va me permettre de placer une ferme de cochonnets supplémentaire. Ça baisse la qualité de vie de personne en faisant ça, c'est très bien. Ok, nice. Bon, eh ben, j'espère que j'ai assez de planches et de pierres pour tout construire. Et j'espère surtout que mes connards se manient le cul et... What? Mais comment? Ça allait vite, hein. Bon, voilà, Farah, elle était en mode « Mon cher prince Chabibi, voulez-vous tenter de convaincre mon cœur en me montrant un projet d'architecture mené à bien qui pourrait... » Je lui ai montré les plans, elle s'est mouillée dessus. Je lui ai montré les plans, la première page est inutilisable. Elle a bavé. Elle a bavé. Voilà. Eh ben allez-y, construisez, hein. Construisez, hein. Mine de rien, il faut que ça avance, hein. Elle a vu le Taj Mahal. Bah oui, mais par contre, moi du coup, je suis déçu, je vais en voir un petit peu, tu vois. Pour rester en 8, hein. Waouh. Eh ben la vitesse où le festin se fait, c'est quand même un gros burst, hein. Tout le reste du royaume a l'air de bien se porter. Oui, on a de la bouffe, on a de quoi se chauffer. La guilde de bricoleurs sont heureuses. Everything seems to fucking work. Mystère de la philanthropie.
Personne n'est philanthrope dans mon royaume, tout le monde s'en bat les couilles. On est pas mal, hein. On est pas mal, hein. C'est pas la cuve avec les loutres, mais... Hop, un travailleur déjà. Ah, travaille trop loin. Je veux des légumes. Je veux de la farine. Et je veux du porc, parce que vous êtes juste à côté. Et enfin, je veux aussi des œufs, parce que vous êtes à bonne distance. Voilà, récupérez-moi toutes ces ressources. Et on en discute. Cette belle place du marché, regardez ça, qui ouvre pile sur l'arche, qui ouvre pile sur la grande roue. C'est en train de donner exactement la gueule que je voulais que ça donne. Alors, il n'y a que ce puits qui rend un peu dégueulasse. Et en faisant ça, tout le monde aura de la flotte. Et eux aussi, ils auront de la flotte, ultimement. Ultimement, voilà. Le don forcé. Recevoir de la noblesse. Ouais, non. Désolé, je peux... Laissez-moi y réfléchir. Laissez-moi d'abord utiliser toutes mes ressources en termes de construction et après on en reparle. On est quoi? On est en automne? Ouais, pas mal. Ouais, le jardin labyrinthe à côté de la porcherie, je suis pas sûr, hein. Ouais, le love me paraît pas... J'ai peut-être manqué de vigilance sur ce coup-ci, je pense, hein. Moi, ça marche, hein. Ça, c'est l'air de marcher, au moins. Sur cette prix. Allez, maniez-vous, construisez. Voilà, les maisons qui avancent. Super. Ça bâtit. Ça bâtit. Invasion de trolls. Shit. Un noble exige de la nourriture. Dépenser beaucoup de bouffe pour gagner un noble. Oui. Un don forcé. Pour l'instant, laisse-moi réfléchir. Maintenant que ce noble est là, nous allons le mettre au travail. Putain, je suis fier de mon setup. Hein. Le Cell Games ici. Toutes les tentes. Ministère de la diplomatie, ministère de la culture, augmente le bonheur global de 5. Non, ministère des jardins, voilà. Augmente la valeur de bonus de désirabilité de 5. Ce qui a poussé les gens à nous rejoindre. Donc les forces armées se ramènent. Excellent. Sa baston. Ça rince sec. Super. 500 de bois. Ça prend, c'est inestimable comme cadeau. Thank you.
vraiment le don du ciel. Voilà. Oh, ça commence à prendre de la gueule. Ça a plus de gueule comme ça, je trouve. C'est mon opinion. Ça m'a fait sursauter la cloche. La neige. Aïe, aïe, aïe. Grade militaire. Dans des 9 royaumes de ce monde, votre force militaire se classe numéro 2. Eh ben putain. Il y en a un, il est énervé. Hein. 100-100. Salle de concert. Centre commercial, 200, tellement cher. Spectacle de marionnettes. En fait, je construis toute l'infrastructure d'abord, puis après on fera le on fera ce qu'il faut. Auberge. Puis, voilà. D'abord, je leur dis, faites d'abord la grosse infrastructure importante. 5 roturiers, conciergerie essentielle. Et tout le reste, bah tout le reste. J'aurais peut-être dû mettre la grande roue ailleurs, tiens. Elle bloque un peu la vue comme ça, malheureusement. Mais ça a une gueule, hein. Table pour le café. Ça a de la gueule. Les Fablings sont en train de rusher la salle de concert, là. Ils sont en train de rusher l'amphithéâtre, le centre commercial, la salle de concert. Des soldats dans le besoin. De nouveaux soldats, j'accepte. Nos troupes ont pris un sacré coup. De caserne disponible, d'accord, très bien, pas me plaindre. L'événement don forcé exige votre attention. 152, je décline, nique ma noblesse, alors que l'armée quitte victorieusement les quartiers où il fait bon vivre. Qu'est-ce que c'est que ces arbres naturels et non contrôlés? Enlevez-moi ça. Le bois qui se permet des velléités. PTDR. T'as pas oublié le mariage? Si, j'ai pas oublié. Juste que Farah m'a dit « Hé, avant qu'on se marie, faites-moi mouiller avec un projet d'envergure pour montrer que vous êtes capable. » Puis là, je lui ai mis 1000 en architecture. J'ai créé une ville de rien. C'est out of nowhere, pas city. So what the fuck do you want more from me, ok? Qu'est-ce qu'elle va dire, hein? Que dalle. Marchand itinérant.
Offrir 114 de porc pour 1 milliard de légumes, j'accepte. Alors, vous avez le droit de stocker de la farine et du porc. De la farine, du truc et du porc. Nickel. Faites le taf. J'accepte les 5 nouveaux visiteurs qui se mettent à habiter dans les baraques. Ça rend bien. Porte 30 planches, merci, bah au moins ça bosse là. Les travailleurs peuvent transporter 10% de plus, multiplié par niveau actuel de votre champion. Bonus actuel 200%. Ah ouais, donc le mec il apporte pas 10 planches, il en apporte 30, ok. Ça mérite d'être efficace. Les gars ils sont motivés par l'existence du héros, tu vois. En fait, il y a un problème vis-à-vis de ça, excusez-moi. Hop, c'est... There we go. Voilà, le caler comme ça, c'est plus intelligent. Voilà, hop, spectacle de marionnettes. C'est festif. La roulotte. La roulotte. Ça construit, c'est l'auberge. Morir es bibir. Voilà, morir es beber. Excellent. Bébir, on aime bébir. Qui veut bébir? On baby sous. On baby boss. On boss baby. Impeccable. Qu'est-ce qui ne travaille pas ici là? Tous les bâtiments. Ah oui, c'est vrai que ça bosse pas. Deux connards dans le grenier. Des connards moulins. Voilà, on a enfin des moulins qui marchent. Le beffroi juste devant le moulin, je pense pas que ce soit une riche idée. Mettre ce poteau histoire de faire joli. Un dragon. Nous sommes attaqués. Tirez-lui dessus. Où est-il? Il est là-bas au loin. Il se fait pilonner. Il a fait demi-tour. Ça tombe bien, on n'a plus une seule goutte de liquide prismatique. On l'a, comme qui dirait, échappé belle. Trois pays ou travailleurs. Deux connards à la réserve. Quand même, hein. Quand même, il y a eu une belle couverture du terrain. Hein. Putain, ce jardin, je m'en remets pas. Hein. Je veux pas parler bien, mais je veux parler bien. Eau polluée, ouais, allez-y, nettoyez l'eau. Ce jardin, il nous met très bien, quand même. Oh là là. Ce jardin des dieux, mon gars. Ce palais aussi, hein. J'en ai pas parlé, mais ce palais nous met très, 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 très bien. Hein. On a 10 nobles. On se met bien, on se met bien, on se met bien. Ce palais nous met très bien. Et voilà. Deuxième petite ville, braves gens. Plus loin que la capitale. À côté des champs. Une autre petite Tessie. Un Bourg-les-Valence. Donc j'hésite à faire les pavés en or. Mais je trouve que ça lui donne un charisme d'avoir des trucs de couleurs différentes. C'est mon opinion professionnelle. Pourquoi ça ne construit plus rien là en fait? Quelle est l'arnaque? Quelle est l'arnaque moldave?
Quelle arnaque moldave qui fait que tout le monde rame du cul. Ah, j'ai rien dit. D'accord, salle de concert, ok. Mais quand même. Quand même, j'avoue que... voilà. Quels sont l'état de nos taxes? Ah oui, on taxe les roturiers de ouf. Ah, on sera à moins 513. Par contre, le bonheur est à 99. Hein. Et si on taxe à donf... 88 et... 90. On va continuer de taxer les roturiers. Voilà. Vous voulez vivre dans une ville stylée et sécurisée avec Mustafar Albeowulf. Invincible dans l'absolu. Il est là pour intimider, tu vois. T'apportes des pierres, toi? Apporte 5 briques de pierre. Il me semblait avoir dit que c'était prioritaire, ça. Qu'est-ce que tu fais? Arche de la cour, d'accord. Donc, t'as déterminé que ça, c'était prioritaire au-delà que ce que je... D'accord. D'accord, bon, bah... pas de problème. Pas de problème. Vous apportez des briques quand même, vous me faites plaisir ou vous foutez complètement de ma gueule? Appréciez un spectacle de marionnettes. Appréciez son temps libre, d'accord. Ah, il est au chômage, d'accord. Tout s'explique. Et donc, il y a quelque chose dans votre tête qui vous a vous fait dire tout ceci serait prioritaire ici. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Ouais, j'envoie de l'aide, je m'en bats les couilles. Je sais même pas de quoi il s'agit, mais... vague. Petit endroit bucolique. Zone de pique-nique, mon gars. Ça avance, ce centre commercial. Ah, on y est presque, on y est presque. Ça bosse, ça bosse. Trois briques. C'est toi qui l'achève. Là, vas-y, mes mères. Allez, vas-y, travaille. Est-ce qu'il me reste un noble au chômage? On va aller en chercher un dans le ministère de je ne sais quoi. Ministère des parcs, sans doute. Parce que le ministère de la nourriture, c'est trop rentable. Allez, une dame. Voilà, le centre commercial est fini. Et voilà, et cette dame bosse à 14 km de chez elle, mais c'est la noble, la castellane du lieu. Cette meuf est chez elle. La place centrale commence à prendre la gueule que j'avais prévu qu'elle prenne. Pas parler bien. Ça, cette arche est peut-être de trop. Ouais, je pense qu'elle est de trop. Autant pour l'opéra, c'était pour la salle de concert, oui. Pour le centre commercial, oui. Galerie Lafayette, tu vois. Autant pour tout le reste, non, on n'y est pas. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas. Toujours des améliorations qui sont possibles et visibles.
Voilà, très bien. Ah, il sert directement par le sud. C'est pas mal, ça. On dira. Chiottes publiques, un combat toujours essentiel. Nouvelle arrivée de trolls. Où sont-ils basés ces fumiers? Voilà, des trolls qui nous agressent. Là, à l'autre bout du pays. Bon, et ben, Chabibi. Enfin, Mustapha. Mustapha, tu prends l'armée, tu vas les écraser ces fumiers. On les pulvérise. On les écrabouille. On les émascule. Je ne veux rien savoir. Voilà. On a même un satyre dans le tas. Voilà. Cette marche, mon gars. Into the ray of the sun, march for a hero fighting the Dark Lord. Château au loin tire. Vous avez vu ces tirs de mortier, bâtard. Un membre de bande de la diplomatie. Réussir 10 missions hors nombre. Hors monde. Okay, okay. Massacrez-les. Plein de planches, plein de farine, plein de pain. Non, je fais qu'on voit. Voilà, excellent. Parfait. Par contre, je peux pas aller plus vite. Ah non, je peux pas aller plus vite. D'accord, on en est là. On en est là. Voilà. Victorieuse, nos troupes retournent péter d'air dans la forêt. Alors qu'il ne reste que quelques maisons. Quelques maisons et toute cette nouvelle ville sera finalisée. Et je trouve que je m'en suis pas si mal sorti. En vrai, j'aurais pu mettre une conciergerie là et faire toute une lignée, une rangée de maisons pour faire une vraie rue, tu vois. Je trouve que ça a sa gueule. Hein. Regarde, notamment cette nouvelle place avec la giga statue. Quadribuisson. Je suis pas convaincu par les quadribuissons. Je pense que je serais plus convaincu. Ou pas.
par Quadrifontaine. Là, voilà, là, je suis convaincu, là. Là, je suis convaincu. Et je suis pas sûr pour les poteaux non plus. J'ai pas de statut plus musical. Les poteaux, les colonnes, ça a leur charisme, hein. Et je suis pas sûr. Mais après, ça a le charisme. Écoute, ils vont forcément venir pour le construire. Ils vont pas me décevoir comme ça, je refuse d'y croire. D'accord, ils sont en train de bosser au nord, là. Ils sont en train de finir ce quartier. Dès que sitôt que ce quartier sera terminé... Ah oui, c'est vrai que là, il y a de la place, j'ai rien mis, là, encore. Bam! Petite statue avec... Cour intérieure, statue, quoi! Cour intérieure, fontaine, statue. Est-ce que on peut me reconnaître que quand même j'y mets un budget? Chiottes publiques! Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bob qui se rend compte que son projet est fini au schnapps. Non mais voilà, à un moment... Oula. Par contre, entre la maison citadine et ce puits, je me suis peut-être un peu... Alors, là, c'est le 7. Le 7 rue de je sais pas quoi, rue de Boubaker. Mais je sais pas qui va vivre là. Dos au centre commercial. Ça a l'air complexe, hein. L'air complexe, hein. Ok, mais Luchouen. Certainement une personne âgée, je pense, ouais. Alors, on va prendre des gens du coin. Voilà, déjà. On amène du routard. De l'œuf, stock de l'œuf. Stock du pain. Stock the count. Stock du légume. Stock du cyberport, stock du port halal. Ça fait quand même beaucoup penser aux villes espagnoles, tu sais. De la magie noire, nos pierres sont presque épuisées. Ouais, vas-y, recharge nos pierres. Peut-être abuser sur les bancs. Je pense qu'on peut avantageusement remplacer ça par... Qu'est-ce que... Les sorcières! Disparaissez, prenez de l'argent et tirez-vous! Putain, elles sont passées à travers la grande roue, quoi. Ils s'en battent les couilles. Aucun respect, les vieilles, je vous jure. Citadine a terminé sa construction, ça sent bon, le quartier est presque fini. Ouloulouloulou. Quel plaisir, quel régal. Ah c'est ça, ça fait petite cité espagnole, tu vois. Alors ça bon, c'est pas beau.
faut le faire comme ça. Voilà, sinon ce sera pas bon. Ok. On dirait une ville de 3000 habitants. C'est vrai par contre que côté ville, le fait qu'ils vivent 4 rois dans chaque bâtiment comme ça, tu vois. Ah non, ils y vivent qu'à 2 en vrai. Ah, c'est par couple quoi. Alors qu'en vrai, on se met bien. Rien que la zone du palais, elle met 1000-0 déjà. Parce que donne le grand jardin en hiver. Oh là là, il rend sublime. Il rend beau, il rend virginal. Et faut voir ce que va donner donc notre ville. Et ses jardins et ses grands moulins en hiver. Oh là là là. Un peu plus cubique, hein. C'est vrai que là, j'aurais pu faire peut-être un autre quartier. Tu sais, essayer des maisons, des petites ruelles, un peu plus intriquées, tu vois. Parce que là, je trouve que malheureusement, ces deux jardins, tu vois, ça fait vraiment le mur de couleur et j'aime pas. C'est un truc que j'apprécie pas trop. Et oui, je fais vraiment le mur extérieur aussi. Mais ça, à la rigueur, tu vois, parce qu'il y a des platanes et des buissons, ça va, on sait juste la délimitation de la ville, tu vois. Ça manque de cathédrale. En vrai, un hôpital, serait vrai que ce serait un petit peu d'ordre public. Un petit hosto, tu vois. Un petit hospice. Trop proche de la colline, malheureusement. Dommage. Ça valait la peine d'essayer, hein, ça valait la peine d'essayer. Oui, je veux tout le monde, ramenez-vous. Non, trop proche de l'eau. Ah, comme ça, c'est bien. En vrai, attends. C'est encore plus petit que le... L'hôpital au dos. Genre ça fait un peu église, tu vois. Voilà, et là, tu fais un truc du genre... Wait for me. Là, tu fais un truc du genre. Puff, 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 puff. Voilà, le petit gazebo du Père Lachaise, tu vois. Moi, je trouve. Petit gazebo, petite plante en pot du Père Lachaise. Voilà, juste en face des jardins pour y faire marcher les malades mentaux. Le marchand itinérant veut m'offrir de la caillasse. Du raisin contre la caillasse. Non, merci. C'est gentil, mais j'en ai pas besoin. Comme ça dans ce sens, sinon ce sera pas harmonie, ce sera pas harmonieux. Maniez-vous, prioritisez-moi cette construction. Prioritisez aussi cet hôpital. Le Père Lachaise n'attend pas. Alors je sais que normalement c'est un cimetière le Père Lachaise, mais là c'est un hôpital. On cut le middleman, tu vois. Ouais, mais toujours pas marié. Patience, patience. Là, là, on peut proposer quelque chose à Farah, tu vois. Là. Bam, l'église. Mais oui, mais je suis trop con. Il faut pas le gazebo. Il faut la plante en pot. Et l'église. Ben oui, suis-je bête. On a un beffroi en plus, c'est fait pour. On a littéralement un beffroi qui est fait pour ça, putain.
On attend. Une mosquée, ouais. C'est vrai, on a le minaret, brave Jean. Le minaret est prêt. Regarde ça, ils emploient les routes que j'ai prévues qu'ils emploient. Ah, c'est beau. C'est beau, putain, c'est beau. L'horloge au centre. Ouais, elle est dure, tu vois. À place de la fontaine, j'aurais pu mettre une horloge là. Je suis en train de regarder hein, les endroits qui sont possibles de ce qui est moyen de moyenner. Pas convaincu par l'horloge. Ah, voilà, regarde ça. Bam, bam, bam. Là, il y a l'église. Excellent. 5 roturiers qui veulent rester. Mais restez. Venez, habiter. Boutique citadine, il faut peupler ça. Mets du porc à l'intérieur, Ah là. Fais pas le con. Mets du pain. Mais des légumes. Légumes, je sais, c'est safe. Source sûre. Voilà. Voilà. Et là, ça a une gueule. Là, ça a quand même une gueule. L'horloge qui est pas visible, par contre. Ouais, on n'a pas l'horloge. J'ai pas d'horloge. Je pourrais avoir une horloge, mais attends, laisse-moi voir déjà. Si j'enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils sont quand même couverts par la flotte. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Ce qui veut dire qu'elle peut être avantageusement remplacée. Un minaret de l'horloge. Et là, c'est un succès. Les soldats ont besoin. Joignez-vous à nous. Où est la prochaine menace? Où sont-ils? D'accord. Écoute. Prenez l'armée et ratissez-leur la chatte. Allez-y les mecs, bonne chance. Et gros coup d'horloge pendant la représentation de théâtre. Mais oui, mais écoute, hein? Bon, faut pas faire chier non plus. Ah, ça par contre, ça fait pas de sens. Toi, t'étais trop vaillant, en fait. Au mieux.
plein de porc et plein de farine, c'est bien, ça permettra de nous set up. Oh la vache, je rame du cul, au secours. Je rame. Voilà, ça va permettre de nous set up là, juste devant le marché. Est-ce qu'il y a une case de libre quelque part? Non. Génial. Il va péter derrière, ce sera là. Impeccable. J'ai décalé ces deux baraques. Est-ce qu'ils sont en train de la construire? Oui, il est en train de rectifier mon erreur. Prends du pain. 5 roturiers. Et c'est la victoire! C'est la victoire, brave Jean! Comment ça, c'est trop plein? Ah non, t'as pas accès. Ah merde, excusez-moi. Tiens, juste pour toi, un tout à l'égout. Juste pour lui. Maniez-vous, construisez-moi ça vite. On en finisse un peu correctement. Aidement mondial, festival, c'est la fête! Ouais! C'est la fête, car il se prépare pour le mariage. Le fameux. Celui qu'on vous promet depuis 10 000 ans. Et vous savez quoi? J'ai construit cette ville rapidement là, mais elle a une gueule. Hein. Elle a une gueule avec ses espèces de petites ruelles, ses passages, ses secrets. C'est mystère. Elle fait envie, hein. C'est l'heure. C'est l'heure de faire la demande. D'abord, je regarde la mission. Du foin et de la farine, on s'en fout. Et toi, du blé, on s'en bat les couilles. C'est l'heure. Épouser Farah. $300 de biniou, j'ai pas. 500 de pain, j'ai pas. 500 de vinasse, j'ai. 1000 balles, j'ai. Il est temps d'aller taxer les potes. Il me faut tout ton pain et il me faut tout ton liquide. Je veux tout. En échange, voilà 5000 balles. Merci, meuf. Voilà, prends du lop. Myrlenas, je sais que t'es mon ennemi de toujours. Mais j'ai une offre pour toi. 10 000 balles. Voilà, ta gueule. Génial, mon bro, balance-moi du liquide prismatique. Un petit peu de ta cuvée de bon vin. Ton pain. Et voilà un truc que t'aimes bien, 5000 balles. Ouais, ça parle, hein, ça discute. Hein. Sophutria! Qu'est-ce que c'est, des tulipes? Ok, c'est nouveau. Donne-moi tout ton cube. Donne-moi tout ton pain. Donne-moi tout ton vin. C'est une rafle, mon gars. C'est une radia. Oh, des pâtisseries. Je sais pas d'où ça vient, c'est nouveau, ça. Je sais pas d'où ça vient, mais une chose est sûre. Voilà, 10 000 balles. Allez, bonne chance. On est bien. Et là, c'est l'heure. Le prince Boubacar, Beowulf, Chabibi. Here we stand, our journey done. Two leaders, lovers, join as one. A union forged in heart and fire, lands and peoples, now empire. Tales are told of love and wars, but this was special, this was yours. Now raise a toast, enjoy your night, forever after. All is right. Ouais! Victoire totale! Et ils vécurent heureux pour l'éternité. Bah! C'est bon? Alors l'annexion, comment ça se passe? Mon bien-aimé Boubacar, Beowulf, Chabibi.
Les échos de notre joyeuse union résonnent dans les chambres de mon cœur. Notre mariage, une toile tissée de fils d'amour et d'industrie, me ravit à l'infini. Alors que nous entamons ce voyage vers un règne partagé, mon âme déborde d'impatience à l'idée du règne harmonieux que nous allons créer ensemble. Dans l'industrie ! Phara, la reine bricoleuse. Cadeau du grand amour. Si vous possédez moins de 50 d'une ressource en stock, tous les bâtiments qui la produisent en font 20% plus vite. Efficacidad. Tant que vous êtes marié à Phara, cet effet est actif. Et maintenant, le divorce. Cadeau de cour. Ah, tu peux voir. Mannequin d'entraînement du héros, marchand d'armes, kabuto de samouraï. Stylé, ça. J'ai jamais remarqué. Scène de danse. Oh, un manège. Oh, chapeau de bouffon. Table de dés. Prêteur sur gage, la banque et la couronne. Classe. Culture de tulipes, ferme de fleurs, guilde des récoltes et couronne de laurier, d'accord. Et enfin lui, cellule de prison, conseil stratégique et casque. Ah ouais, ah ouais, 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 le mec déconne zéro. Le mec déconne zéro. En tous les cas, c'est une grande victoire aujourd'hui pour le pays merveilleux et fantasmabulique. Une noble, regardez-la. Oh. Pour un pays fantasmabulique du Chouettistan, brave Jean, c'est la fin de ce let's sleep. Et j'ai envie de dire la fin de ce plétrou. Ce fut un plaisir. Je trouve que quand même on s'en est démerdé pas trop mal. Ça a pris du temps, c'est sûr. C'était un processus. Il y a des vignes, il y a des champs, il y a de la bouffe, il y a des cochons, il y a une statue. Il y a absolument de tout. Et pourtant, on a mis 1000-0. Victory Lap. Ouais, je rappelle, là il y a un mec qui vit juste pour le minaret et activer les moulins. Oh là là là, ce quartier, mon gars. Ce quartier de nantis, de paysans qui sont devenus médecins. C'est beau. Alors attends une seconde, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux en faire une fortification? Ouais. Alors, je vais faire exprès. Il en faut 4 dans le royaume ? Ah, j'ai pas le droit ? Pas le droit d'en avoir plus. Ok. Écoute, c'est joli. Moi, je trouve ça, cette espèce de petite arche là, comme ça, ça rend plutôt joli. Ça rend plutôt bien. Oh là là. Et enfin, cette ville que je n'ai pas nommée. J'ai pas donné de ville. Autant à la ville de la capitale du Chouettistan, si tu veux. Le petit village qui n'a pas de nom parce que les gens à l'intérieur n'ont pas de nom puisque ce sont que des pégus. Le phare au loin. La ville, avec son nouveau quartier aérien. Le palais du Chouettistan. Et son charisme absolument infini. Oh là 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 là. Les jardins du Chouettistan juste derrière. Ce qui est beau. Ce qui est beau, ce qui est beau, ce qui est beau. La production du Chouettistan, le camp militaire du Chouettistan. Bourg-la-Reine. Non, je pense que voilà, on va lui donner le nom de la sauvegarde que j'avais donnée. Cette ville s'appellera dorénavant Phara Alhamdoulillah. Avec les Phara Alhamdouliliens et Phara Alhamdouliliennes. Le paradis des influenceuses. Ah, et parce que nous sommes dans une abondance absolument fantastique. Parce que nous sommes dans un moment fantastique, je fais quelque chose d'absolument impensable. Bon, déjà, je baisse la relation que j'ai avec la meuf en voyant un paysan au suicide. Et je fais quelque chose d'impensable. Je baisse les taxes à 0%. Oh là 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 là. Et là, c'est beau. Voilà. C'était sûr en fait, c'était sûr. C'est garanti. Brave Jean, c'est un plaisir d'avoir fait ce let's sleep avec vous. Alors que les forces de la ville vont investir les rues. Petite parade. Occupé ou inatteignable, comment ça? Vous pouvez bien aller là, non? Voilà. Non, ramenez-vous. Ah, ils veulent pas.
Ils veulent pas. Ils veulent pas faire la parade militaire. Hein. Ah, ils cassent les couilles. C'est tellement chiant le fait qu'ils puissent pas se déplacer au plus proche, toi, ou au mieux. Bon, écoute, on se contentera de tous ces connards qui viennent là. Après tout, la menace sera grandissante. On aura largement de quoi, et regarde. Le soleil brille sur la ville de Townsville. Le grand château. C'est beau, hein. En vrai, c'est magnifique. Hein. Le jardin de Versailles 3. Oh là 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 là. Le petit village de Plaisance, Walibi. De Walou. Et enfin, la ville nouvellement formée de Faralamdoudila. Je le prononce mal, mais ça me fait marrer. J'adore. Oh là là. La qualité. Hein. La qualité. La qualité. Merci infiniment, braves gens. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Il a quand même volé des ressources. C'est un brave paysan. Je l'ai envoyé au suicide et pourtant, il est revenu avec succès. Et ça, c'est bon. Et maintenant, comment on fait pour tenter de séduire une autre meuf? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. C'est ça qui est bon. Profitez de la musique. Well, this is starting to get a bit awkward, isn't it? Mustapha Jean Abdul Abdelkader, sois gentil et exécute ce narrateur.